Voilà, je quitte le spot où j'étais avec Nicole et Claude. Peut-être on se retrouvera plus loin, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, je roule vers de nouvelles aventures. Là, je suis encore sur la piste, donc je roule tranquille au bilou pour pouvoir sortir sans souci. Et je me réjouis de cette belle journée qui commence. Joli, ces collines vertes avec ces arbres au milieu là, c'est sympa. C'est le comité d'accueil. Si vous parlez français. Sorry. No. You speak French? No. Anglais et Spanish. And Spanish. Okay. I have a friend that speaks French. Okay. Bonjour, bienvenue dans ce que je peux vous aider. Nickel. Sur cette place, j'ai des amis suisses qui sont là. Très bien. No camping, just for truck. Yes, only for that. Only okay. For vans and caravans. Okay. What, one night? 12 euros. 12. Il y a beaucoup de Suisses apparemment ici, surtout des Suisses allemands, je crois. I call no response. Mais it's here. Vous pouvez choisir l'endroit que vous voulez. Une fois que vous vous êtes garé, vous venez à la réception avec la carte d'identité et nous vérifierons. Ok, merci. À côté de ceux qui viennent du Paris-Dakar. Yes. Ok, I go. Blanche et Marielle ne sont pas là, mais j'ai trouvé le petit Suisse, leur véhicule, et je suis garé à côté. Elles vont bien finir par arriver. De l'autre côté, j'ai un big man du canton de Zug qui me fait particulièrement rêver. Azimut paraît ridicule à côté. Après une bonne soirée sympathique avec les filles, le lendemain, nous reprenons la route ensemble, direction Al Jazeera. Prenez la deuxième sortie. Nous arrivons chez Gutierrez pour la prise des billets. Et je remarque ce camion orange que j'ai déjà vu. Il s'agit de Anna et Mathieu qui vont se joindre à nous pour la traversée et le début du voyage.
j'arrive au port d'Algésira. On va prendre le bateau. Avec Blanche et Marielle, compte Instagram BMBM Around the World. Vous pouvez suivre leurs aventures. Elles rentrent d'Amérique, elles ont visité le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est vraiment des filles très très intéressantes, beaucoup de choses à raconter, beaucoup voyagé. Vous pouvez les suivre sans souci sur Instagram, elles n'ont pas de chaîne YouTube, c'est bien dommage. Donc je vais prendre le bateau avec elle pour le Maroc. Nous on va à Tanger Med, c'est un port qui se trouve entre Tanger et Ceuta. Je monte dans le bateau et c'est parti pour quelques jours au Maroc. Voilà, je viens de revenir dans le camion, je suis toujours dans le bateau. Et là, on va sortir d'ici peu. Je vais enlever les caméras pour la douane, pour éviter les soucis. Parce qu'ils aiment pas trop quand on les filme, les douaniers. Quel que soit le pays d'ailleurs. Donc voilà, la traversée s'est bien passée. On a un petit peu été secoué, mais c'était calme. Un petit peu à gauche, à droite, mais bon voilà. Pas été malade. On a bien discuté, passé un bon moment. Et je me réjouis de ce qui va suivre. Donc voilà, après 4 heures de passage en douane, depuis qu'on est sorti du bateau en fait, 4 heures après être sorti du bateau, on vient de quitter le port enfin. On va se trouver un terrain de camping pour la première nuit. Il fait pas très beau, il pleut, mais ça va le faire. Donc on se suit avec Van Abrico, les filles sont parties de l'autre côté, on va les récupérer un petit peu plus loin. Probablement rencontrer d'autres personnes qu'on connaît. Bref, l'aventure au Maroc commence. On a fait le change, pris une carte pour le téléphone. Et c'est parti!
arrivons dans ce camping situé au nord d'Assila où nous passerons notre première nuit marocaine. Merci. Bonjour, merci. Je passerai cette première nuit avec Anna et Mathieu, ainsi que leur fils Marius. Vous pouvez suivre leur aventure sur Instagram Vanam Abricot, mais également avec leurs amis Léane et Romain et leurs enfants Rose et Liliane. Et vous pouvez également suivre leurs aventures sur Léane Tulip sur Instagram. La route ce matin, direction le sud, on va pas bien loin, on va s'arrêter à Assila, petite ville côtière, pour jeter un coup d'œil, balader un peu avant de poursuivre la route. Assila, je poursuis la route avec Anna, Mathieu et Marius en direction du sud et Marrakech. Et nous laissons Léane, Romain et leurs enfants qui ont rendez-vous avec des amis. Ah, ici aussi, il y a des véhicules du SAMU. Ça me rappelle des bons souvenirs professionnels. Toujours faciliter le passage des ambulances. Conduire sur les routes au Maroc n'est pas de tout repos. Ça demande une concentration et une vigilance de chaque instant. On a tellement marre de la route, de ne pas avancer, d'être vigilant tout le temps. C'est vraiment, ça demande une concentration énorme. On a décidé de prendre l'autoroute, histoire de gagner du temps et de se détendre un peu plus parce que la route nous a fatigués. Donc on descend direction Rabat, Marrakech. Et on a le soleil dans la figure comme vous pouvez le voir. Pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur mes aventures au Maroc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo et vous pouvez également me suivre au quotidien sur Instagram. À bientôt !